Président République la Jovenel Moïse recevoir hier mercredi à dans Palais National, secrétaire général adjoint en opération maintien la paix Jean-Pierre Lacroix. Dossier choléra après définition et statut menu juste dans mi-temps discussion yo, selon ministre Affaires étrangères Kiltla Antonio Rodrigue. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine remet 900 chèques 20000 gouttes par marchand victime du fait dans marché en fait avec marché Diport. Chef gouvernement annoncé création fonds garanti qui permet marchand yo prêter l'argent à taux très bas qui permet yo reprendre activité commerciaux. À l'étranger, suite à l'annonce du Premier ministre britannique Theresa May pour mettre dehors 23 diplomates russes sous territoire, la Russie a annoncé bon côté pâle, il faut mettre dehors plusieurs diplomates britanniques sous territoire pâle. Bonsoir tout le monde, nous branchons Télévision Nationale d'Haïti et bienvenue dans le journal Mi-temps Journée. Pourquoi elle est là? C'est le moment pour nous recevoir collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques Journée. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique journée, temps très instable par rapport avec un fond qui a traversé nous et nous parlons comment la situation est sous bassin Caraïbes. Nous avons un fond qui trouve dans le passage du vent et fond ça a concerné l'île d'Haïti et l'a traversé nous du nord-est au sud-ouest. Ça veut dire aujourd'hui il y a plusieurs départements qui sont concernés par l'activité de la pluie et la pluie sera capable de modérer à forte sous pays et en alouette qui département yo département nord, nord-ouest, nord-est et pointe sud-ouest. Ça veut dire Grenas et sud a concerné par activité la pluie pour aujourd'hui et la pluie ça y a persisté en après-midi, en soirée et même au cours de la nuit. Il faut que nous préciser que région noire jusqu'à demain matin il doit gagner activité la pluie et pour cela secrétariat permanent cap gérer risque avec des as de concert avec UHM de moun qui était là département nord avec nord-ouest dans quelques zones priorité vigilant parce que nous prévoit capable gagner quelques inondations même si c'est pas inondation sévère mais on fait en pile précaution par rapport avec quantité la pluie que nous prévoit sous zone ça yo pour capitale avec zone qui environnelle son capitale cap joui cap en bas instabilité ça veut dire nuage avec la pluie pendant fin d'après-midi en soirée et au cours de nuit là c'est ça n'a pas sous et capitale avec zone qui environnelle et majorité quartier yo t'a supposé concerné par activité la pluie pour jodi a pour température nous avons température jodi a cap monter jusqu'à 33 degrés Celsius et puis la descente c'est 20 degrés. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous côte nord, côte sud, mais golfe de la Guadeloupe peut agiter. Et par rapport avec l'activité la pluie que nous prévoyons sous majorité département, ça va nous demander le capitaine d'embarcation. Précaution avec prudence parce que visibilité a réduit par rapport avec la pluie qui a gagné sous zone Sahio. Et pour page astronomique, soyez là couché à 6h59 jeudi et la pleuvée demain matin à 6h56. C'est tout ça nous dégagé pour situation météorologique journée. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour une autre page météorologique. Merci William Polidor. J'en ai déjà annoncé le titre. Président de la République, là, Jovenel Moïse, recevoir dans le Palais National mercredi 14 mars. Là, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint dans l'opération Maintien la paix. Divers points étaient discutés dans la rencontre ça qui déroulait en présence de plusieurs autorités haïtiennes à cadre des Nations Unies et spécialement dossier choléra à redéfinition et statut mini-jus. Il y a un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne à Jean-Naël Duvernay. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a reçu en audience au Palais National M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, qui est porteur d'un message du secrétaire général, M. Antonio Gutiérrez. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Gutiérrez relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite au rappel respectif pour consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Rogis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général, tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la MINUSUS soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice
en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à deux volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2017. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément au principe de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'aide publique au développement. Le président était accompagné du Premier ministre ainsi que du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, du ministre de la Planification et de la Coopération externe, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Défense, du secrétaire d'État à la Sécurité publique, du représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies, du directeur de cabinet ainsi que de ses conseillers diplomatiques. Merci. Président Chambre député à Garibodo fait connaître une commission spéciale enquête qui a été campée dans Chambre député à qui prend une permission pour faire lumière sur l'incident ça qui arrivait dans Pédénal dans le jour qui s'est passé. Décision s'en prend dans séance qui était réalisée mardi 13 mars passé. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Richardson Jordan. Par rapport à l'ensemble des problèmes qui posaient dans le dernier jour, ça autour, par rapport avec ce qu'on est passé à Pédénal, côté gagné, yon travailleur haïtien qui a tué yon propriétaire terrien dominicain. Donc nous ouais tout ça ça baille comme remous et nous ouais on remonter une sorte de sentiment et nationalisme qui très fort l'autre bois côté au bail c'est 24 heures de temps pour quitter l'autre bois. Donc vous imaginez des monde qui c'est des monde dans société civile là, c'est-à-dire des citoyens qui décident dit yo bo 24 heures de temps déclaré persona non grata sur mon territoire. Nous connaissons ça son bagage qui capable d'un sorte de droit. On doit même qu'on l'État qui a gagné pour dire ou pas bienvenu sur mon territoire ou bien illégal sur mon territoire à travers les services appropriés. Mais ce n'est pas des citoyens qui vous disent qui est-ce qui a évolué sur mon territoire, qui est-ce qui ne peut pas évoluer sur l'autre territoire. Je nous connais nous-mêmes, bon côté par nous, nous avons des collaborations, nous avons des tuyaux. Donc, il y a des discussions qui sont faites de manière informelle et nous avons informé le ministère des Affaires étrangères tout sur des dispositions qui vous prennent et il y a des rapports pour nous. Mais, bon côté par nous, nous avons formé une commission spéciale qui supposait travailler sur le dossier des deux côtés de la frontière d'une part et d'autre part, garder tout qui est bon dans la relation de deux pays. Pas oublier que le peuple dominicain avec le peuple haïtien est condamné pour vivre ensemble. Donc, un ensemble de produits et locaux, tout le monde qui vit sous frontière qu'on est. Donc, c'est la République dominicaine qui a acheté, etc. Donc, je dis, il y a des gens tout, il y a des dominicains, des citoyens dominicains tout, qui sont des commerçants, qui très préoccupés par rapport avec la situation qui s'est déroulée là. Ce n'est pas une situation peuple dominicain contre peuple haïtien, mais son incident qui passait dans une zone donnée et n'a profité tout et pour nous dénoncer une série de vidéos nous qui a circulé sur les réseaux sociaux, des vidéos que moi déjà peut-être dans l'année 2005-2006, je ne me rappelle plus, mais c'est des vidéos que, qui m'ont mis l'impression de déjà vu, donc des gens qui ont attisé, qui ont fait des comportements et chicaniers pour mettre l'huile sous du feu. Toujours sous même dossier, député Michel Jacques Saint-Louis avec Jean-Hilaire Jean et puis Tanis Tertius, qui c'est trois dans député qui fait partie commission et spéciale enquête ça, annoncé qu'il doit quitter Port-au-Prince jeudi 15 mars là pour un Pédénal pour aller garder ce qui la cause situation ça arrivée dans zone là. D'après ça, au fait qu'on est membre commission a rencontré autorité des zones sous dossier ça. Nous invitons à suivre un extrait. Sous la demande de plus d'une cinquantaine de députés, bureau a été formé en commission spéciale d'enquête qui supposait aller en chapitre pour nous faire des lieux autour d'incidents qui étaient opposés à la population Pédénal à Haïtiens
qui t'a vive Pédernal. Nous avons l'intention de déplacer soit après-midi ou sinon demain matin très tôt pour nous faire état des lieux. Et m'a annoncé nous que la commission spéciale ça est composée des députés Jacques Saint-Louis, Tanis Tercius, député Jean-Willier Jean, député Gladys Lundi, député Leman Premier et député Woody Deville. Et c'est une commission d'enquête qui va gagner pour au moins nous comprendre et nous chita tout sous relations diplomatiques et c'est ça que fait, je pense que nous avons pour nous informer le ministère des Affaires étrangères et permettre au moins nous ambassade d'Haïti en République dominicaine pour au moins nous et consulat ici du côté de Balaona et pour permettre au moins travail nous pouvons faire son travail qui est totalement efficace et efficient. Nous pouvons essayer de rencontrer autorités locales, magistrats, délégués, vice-délégués et puis responsables de la police qui est dans la zone et Kazek qui est dans la zone et puis ensemble organisations qui est dans la zone tout, nous pouvons essayer de rencontrer, nous pouvons essayer d'approfondir l'enquête là pour nous voir exactement qui ça qui cause et de temps en temps gain bouleversement ça qui a fait dans zone là et nous non pays vraiment qui chargé avec problème à chaque fois que problème ça a posé donc gouvernement en difficulté tout donc nous même en tant que responsable nous supposé aller sur place pour nous voir. L'autre information dans le journal ça, Premier ministre Jacques Guilafontaine remet 900 chèques 20 000 gouttes by Machon, victime du fait marché en fait avec marché d'Iport pendant une cérémonie qui déroulait mercredi 14 mars là. Chef gouvernement annoncé création fonds garantie qui permet Machon de prêter l'argent à taux très bas qui permet de reprendre activité commerciale. Un reportage c'est quoi pas qui à Rémi Godjit. C'est un total 900 Machon qui bénéficient chèques 20 000 gouttes avec un kit produit alimentaire. Objectif là, c'est accompagner marchands victimes du feu marché en fait avec marché du poyo. Premier ministre Jacques Guilafontaine expliquait l'administration Moïse et le gouvernement Lafontaine prend engagement pour mettre disponible un prêt cap faciliter marchands sayo jeune l'argent à qui ont fait intérêt pour reprendre activité commerciale. Jean-président de la République t'a proposé lui nous gain plusieurs étapes. Première étape non, c'est sacrer les boucanes qui prétendent bouillir. Son étape qui pourrait aider nous par son petit mauvais moment. Parce que entre-temps, nous avons obligation familiale, nous avons obligation personnelle. Donc c'est comme ça, nous là après-midi hein, pour première étape. Non? Première étape, non? Côté que chaque monde qui est identifié, il a recevoir un chèque de 20 000 gourdes. Et nous connaissons que Abgué est un dernier groupe qui va recevoir chèque paye. Mais ce qui est plus important, et nous avons songé que le président de la République dans le dit, nous allons pencher nous au cas par cas. Nous connaissons que le problème est tellement en pile, nous ne pouvons pas attendre. Mais nous demandons nous patience. Parce que entre-temps, nous-mêmes, nous avons travaillé pour nous. Nous commençons analyser plusieurs cas de figure et cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré c'est côté que nous prenons au cas par cas où est qui gens que nous capables assurer refinancement chaque grain de marchand très prochainement n'est-ce pas vrai nous avons rencontré avec nous pour nous parler de modalité et puis comme ça nous avons ouvert la porte accès à crédit ça pour nous-mêmes tout en ayant, n'est-ce pas vrai, support au gouvernement pour nous mettre fonds ça sous pied avec un taux d'intérêt qui est très 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 bas. Machin ça yo remercier gouvernement pour moyen financement ça pendant yo mandé autorité concernée yo déblayer marché yo et puis permettre yo bénéficier crédit dans une date qui pas trop loin. Nous mandé déblayer marché pour yo ban nous marché pour nous faire business nous. Parce que c'est là nous prenons point, c'est là nous prenons la banque, nous devons à l'étranger, les nous acheter, magasin ban nous crédit, nous venons pour nous payer, pour nous sembler moun. Nous pas de problème à Premier ministre qui fait geste comme si vous fait, qui va arriver, il pas de voulait ban nous liquide, non, mais il ban nous chèque là. Nous prenons,
Nous pas faire premier ministre la route parce que c'est le chef de l'État lié dans le pays à premier ministre, à président nous prenne. Mais faut premier ministre la connait tout peuple ça yo brûler là qui a souffrir ça le dit la faire pour le faire plus vite pressé possible. C'est près qui intéresse nous mais pour avec un taux qui très bas qu'on a pour nous payer comme là-bas. Commission interministérielle qui travaille sous dossier marchand victime yo annoncé y a quoi poursuivre avec processus recensement marchand yo dans marché en fait avec pour du port. N'a pas rappelé, dans le mois de février passé, 200 marchands ont déjà bénéficié d'un chèque 20 000 gouttes. Une démarche qui va poursuivre, d'après le ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste. Merci, Paki, avec Gojit. Ministère Travaux Publics, Transport et Communication, en tête collée avec Banque Mondiale, organisé un atelier consultation sous contrat service pour le réseau énergie en Haïti. Activité ça qui rassemble représentants diverses entreprises qui travaillent dans affaires énergie dans le pays a été occasion pour directeur général autorité nationale régulation secteur énergétique là Evanson Calixte expliquer projet énergie renouvelable pour tout le monde et puis présenter modalité yon monde doit respecter pour gagner licence pour produire ak vente courant en Haïti. Johnny Arbi Casseus n'a rencontré dit. Projet énergie renouvelable pour tous là, c'est une initiative de l'État haïtien pour faciliter plus moun gen courant la caillou à partir énergie occasionne à travers soleil, vent et l'eau, d'après directeur général autorité nationale régulation secteur énergétique là Evanson Calixte. Ingénieur Calix qui t'a présenté projet à bail secteur privé a expliqué démarche ça visait encourager secteur privé à venir investir plus dans produits ak vente courant en Haïti. Tout le monde qui est intéressé produit, distribuer et puis vendre courant dans le pays a donné autorisation la mairie, ministère travaux publics et ANRC. Une fois que vous avez un contrat sagicien par trois mounsayo qui a approuvé par autorité nationale régulation pays a pour énergie qui s'est annoncé, on a passé à deuxième étape là qui c'est umbral bay développeur, c'est-à-dire le développeur yon licence provisoire. Qui ça licence dit son autorisation qui dit que telle compagnie autorisé à produire courant là, à distribuer courant là et à vendre courant. Nous dit que mon a bon licence dans même pas provisoire pendant 6 mois bien 1 an et demi au maximum pendant 1 an et après ça, il a obligation pour commencer projet. S'il pas commencer projet, il perd exclusivité, il y a bail avec l'autre monde. Il y a 35 millions de dollars américains qui est déjà disponible pour projet ça réaliser selon coordonnateur projet énergie renouvelable pour tous là Nicolas Alien. De ça fait la connaissance de présenter mon dossier pour ce contrat ça doit y qui les montre ça bien, gain feedback pour essayer pour se sentir bon, est-ce que c'est vraiment applicable et puis ça me corriger pour que contrat caca effectivement fait ça me donne faire. À travers projet ça, l'État haïtien visé mettre courant dans tout pays a selon ingénieur Evanson Calixte. Ministre touriste la Colombe Émilie Jessie Ménos s'est présenté mercredi 14 mars là en conférence pour la presse bilan participation Haïti dans salon touristique ITB Berlin sorti 7 rivé 11 mars passé à Foire mondiale ça a réuni 180 000 visiteurs pour un chiffre d'affaires 7 milliards d'euros, 100 000 professionnels, 10 000 exposants. Ministre Colombe Émilie Jessie Ménos fait connaître cette occasion pour vendre le pays comme destination touristique. Ministre Landi Tour l'y rencontrer à coopérateur Tour, agence voyage, magasin qui est spécialisé dans le dossier touristique à quelques potentiels investisseurs. Il y a un extrait dans le micro Falon Delphin. Salon en quelque sorte, c'est un coup son marché que lié. Dans le marché, ça, nous connaissons exactement ce qu'on fait dans le marché. Dans le marché, les gens viennent exposer les produits, les gens exposer, ils viennent vendre ça comme potentialité. Et bien, en termes de langage touristique, tout, ça nous vient faire, c'est peut-être ça que nous relève le salon touristique. Donc, dans le salon, il y a près de 180 pays qui viennent présenter les pays, qui viennent vendre, qui viennent montrer qui potentialité que les pays ont, qui richesse que ont, et comment, quel type de touristes sont capables de faire la caillou. Nous avons rencontré tout opérateur, tout le monde qui était souhaité rencontrer, tout le monde qui était venu visiter tout, stand Haïti en tout. Donc nous avons fait un paquet de rencontres, pour nous avons eu toute opportunité qui gagne avec tout le monde qui était là, tout opérateur, tout le monde qui a vendu par exemple destination Haïti, côté que nous avons eu tout dans l'autre stand, l'autre tout opérateur qui a vendu destination Caraïbes, qui a même tout gagné Haïti, tout là dedans tout. Donc tout ça, ce sont des rencontres que nous avons fait tout. Dans le 8, je viens participer à un panel qui était assez intéressant, côté que qui t'a montré tout, les opportunités, les défis au niveau du secteur touristique pour les femmes entrepreneurs, parce que pas oublier que le 8 août c'était la journée internationale de la femme, côté que on était bon parler tout sur à faire tout défi à opportunité que nous-mêmes en tant que haïtiennes tout que nous-mêmes nous fait face à lui. Et après ça elle te suivre tout aussi de un award show
qui c'est au même tout que tu étais payé des primes à des ministres du tourisme au même tout qui étaient des femmes qui ont même qui étaient distinguées pour travail tout pour toute ça que tu fait. L'autre nouvelle, l'ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti fait un viréron dans la région nord-pays pendant le commencement de semaine. Michel Jean Sison a profité d'animer une conférence sur les relations entre les États-Unis et Haïti. Conférence a été occasion pour les diplomates d'expliquer la position du pays dans quelques dossiers. Nous invitons à suivre un reportage avec Anne Simas. Professeurs, étudiants, professionnels dans divers secteurs, parlementaires, autorité locale, tout est présent dans l'auditorium Campus Saint-Christophe Limonade là, dans l'occasion de la conférence ambassadeur Michel Sison t'a présenté. Sécurité, coopération, immigration, éducation, c'est parmi les thèmes qui étaient abordés pendant la conférence, qui étaient attirés à l'applaudissement assistance là. Diplomate américain a profité, rappeler l'histoire qui m'a rendu le développement des pays. Yo. D'après diplomate là, l'avenir des pays ça dépend l'un dans l'autre. Alors nous, de travailler pour cet état de droit, pour travailler pour la sécurité et la stabilité. Cette sécurité et cette stabilité, ce sont des ingrédients très importants, des ingrédients essentiels, cruciaux pour attirer les investissements, pas uniquement de l'extérieur, mais aussi les investissements domestiques aussi, n'est-ce pas? Alors, sécurité et stabilité. Alors, mais vous avez touché à une question très intéressante. Évidemment, Haïti, c'est un État souverain. C'est une question. Il y a des moments pour assistance à demander lumière sur quelques dossiers qui intéressent. Coopération, immigration, c'est deux thèmes qui étaient cités plus. Madame Sison a rappelé détermination des États-Unis pour continuer à supporter le développement dans le pays d'Haïti. Nous mettons beaucoup d'importance sur la bonne gestion de ces projets, parce que c'est important pour nous. Ces projets reflètent la contribution du peuple américain. Ce sont les Américains, les contributions des impôts des citoyens américains par voie de l'USAID qui fournissent les fonds que nous, à l'ambassade, utilisons pour ces projets. Alors, c'est à nous de garantir, d'insister sur la bonne gestion de ces projets. Ce n'est pas uniquement une conversation entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement d'Haïti. Nous avons pas mal de projets, pas mal de collaboration, projets de collaboration, de coopération avec les ONG, avec des institutions académiques, avec des partenaires dans le secteur privé. Alors, ces projets sont créés avec cette collaboration bilatérale qui est très, très, très profonde. Ce n'est pas quelqu'un à Washington qui pense à un projet et on fait ce projet. Il y a tout un processus de discussion et de collaboration ici sur le terrain pour tous ces projets. Michel Jean Sison rentre dans le pays d'Haïti comme ambassadeur dans la date 21 février 2018. Là. C'est la deuxième fois que Michel Sison vient travailler dans la diplomatie dans le pays d'Haïti après l'expérience dans l'année 82. Plusieurs organisations dans la société civile là cap défendre droit monde réalisé une séance travail sur gestion fonds Petro-Caribéa. Plusieurs sénateurs qui étaient présents dans l'occasion féliciter organisation Sayo pour initiative ça. Nous invitons à suivre un extrait. Nous même au niveau de société civile là collectif 4 décembre et comment il est l'organisation du droit de l'homme nous dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous compreniez que vous avez passé un dossier pour Petro-Caribéa passer comme ça. Donc, nous disons que citoyens haïtiens, c'est yok qui peut payer les conséquences. C'est yok qui peut payer l'argent qui est perdu. Et citoyens, pas qu'on est au fond qui s'est là-dedans comme dossier. Donc, on dit que le dossier Petro-Caribéa, c'est une persécution politique. D'autres disent que c'est un dossier farfelu. D'autres disent que c'est un dossier qui plein de mensonges. Je dis toute bagaille de dossier Petro-Caribéa. Je me dis ça, vous voulez. Mais nous-mêmes qui concernés, ou même qui regardons, ou même qui concernés, nous disons qu'on connaît ça dans le dossier. Je ne suis pas capable de faire bagaille là. Un petit chambre, un petit couloute, derrière rideau, nous ne connaissons pas de temps en temps qu'on bagaille qui paraît.
Donc nous pensons que c'est un devoir nous-mêmes comme citoyens, comme société haïtienne, comme société civile, c'est de voir pour nous essayer que les citoyens connaissent ce qui dans 20 dossiers pétro-caribés. Moi, j'ai une position ferme dans la bataille qu'a faite contre la corruption dans le pays, puisque de concert avec plusieurs autres autorités, j'ai réalisé que j'ai une bataille d'hommes d'État pour combattre la corruption, qui est le principal handicap au développement. Donc, en pile fois, nous pas capables de river sous citoyens pour nous délivrer ça au besoin, c'est parce que nous empêchons par un système corrompu, côté que l'argent population allait à régler des bagages personnels et puis le peuple a lui-même été sans service et tout le temps à plein. Nous prenons responsabilité, pas nous, et que j'en dis au péril de vie, nous, au prix de beaucoup de sacrifices pour nous produire du rapport, nous soumettons l'appréciation sénateur, en pile là-dedans, conscient. Il y a l'autre qui n'a pas conscience ou nécessité pour changer l'ordre des choses. Je dis à partir des sacs faits là, il y a une compréhension de questions, il y a le fond de l'appareil. C'est son travail informatif que nous avons fait et la société civile a été invitée nous venir présenter le rapport là, puisque il y a pile de monde justement qui a besoin qu'on ait ça en dans deux rapports. Donc je dis à nous venir exposer le rapport là et c'est à titre informatif que nous venons faire pour que le grand public là soit au courant du rapport, nous en détail. Commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle jeune, organisée en atelier travail avec organisations jeunes dans tout le pays, mercredi 14 mars 2018. Là. Activité sa fête dans l'idée pour chuter en palais avec plusieurs membres d'organisation géniaux, prendre doléances et puis faire recommandation par le président République là. Daline Dorival a présenté nous un reportage. Commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle géniaux rencontré diverses organisations géniaux qui sortent dans 10 départements géographiques pays dans le cadre d'un atelier de travail pour poser problème jeunesse là à faire face dans la société. Coordonnateur adjoint commission Jean-Marie Théodate rappelait l'importance de la gagner dans la société. Pendant lui expliquer, une bataille commission a mené, c'est empêcher Genio quitter le pays. Chaque jour, c'est par charter entier que Genio a quitté le pays pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller en Argentine, pour aller dans l'autre pays. Et nous connaissons que généralement, les arrivés dans le pays, ça n'y a pas de tourner, nous pas dur. Et nous connaissons tout que Gendele, les arrivés dans le pays, c'est mauvais traitement que rejoignent. Nous, tout simplement, constater que pays ça, à travers Genio, il y a en détresse. Genio m'a dit, il y a volé gagé. Et alors que nous finissons formés pour nous avoir un espoir, et au final, nous avons levé quitter nous. C'est un coup, nous avons pratiqué une sorte de lave-main sué à terre. Et c'est difficulté ça que nous sentis l'en provincial, que nous sentis à travers tout 13 pays, et que nous avons vraiment porté une solution pour lui. En pile jeune handicapé pas gain accès à opportunité travail en pile là-dedans yo pas suspend sibi discrimination c'est ça qui expliquait présence président de vision pour monde handicapé en Haïti Johanna c'est tout avec jeunesse dans jeunesse haïtienne qui quitté paysan yo même qui manque encadrement le fait qu'il vivre avec un handicap ni dans cause accessibilité éducation santé et puis opportunité d'emploi moi penser que ces problèmes ça qui a fait face yo fait rapport de ça fait part de ça et avec atelier ça on est capable de dire un mot toucher un mot pour yo et pour tout type de monde tout rang social depuis ces jeunesse haïtienne moi penser président jeunesse Montante Beaumont salier Gfort administration Moïse là à gouvernement La Fontaine qui t'est décidé mettre sous pied CNIJA dans la mesure où président décide de mettre commission sous place, je pense que c'est parce que lui, ouais, en quelque sorte, dans la jeunesse, là, il y a une opportunité qu'elle doit saisir. Et là encore, du fait qu'elle mette le sous-pied, c'est déjà un grand pas. Et nous encourager pour aller dans la même voie, ça, et justement pour le capable de nous tout. Et ensemble, nous allons aller. Parce que, j'en le dis, le pays n'a pas fait rien pour nous. Mais c'est ensemble pour nous qui s'en a fait pour le pays. Et moi-même, je suis tête dans la logique, ça, tout. Et nous féliciter le président de la République tout, qui a décidé de mettre la commission sous pied justement pour être capable de prendre en quelque sorte doléances jeunes. Parce que seul, nous ne pouvons pas aller en quel côté, mais ensemble, nous sommes capables d'aller loin. À travers l'atelier Travail ça, Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle jeunes témoigne volonté chef l'État pour poser problème jeunesse là à faire face
et puis dégager solution pour faciliter l'intégration catégorie sa yo dans la société. Solidarité active avec les consommateurs Salcon l'ouvre mercredi 14 mars là un colloque international sur problématique consommation en Haïti. Colloque ça cap déroulé dans Port-au-Prince a duré 2 jours et puis visé encourager décider yo dans bataille pour défendre consommateurs. Esaïe Aurelius dans rencontre rendu. C'est premier colloque Salcon organisé sous affaire consommation en Haïti. Pendant 2 journées, intervenants ou participants doivent réfléchir sur thème tankou contrôle qualité, marché noir, akati 6 constitutions qui mandé pour toute transaction qui a fait sous territoire, fait dans l'argent pays. C'est un groupe expert haïtien et étranger qui sélectionné pour mener débat. Il y a un article dans la constitution, qui est l'article 6, qui dit que la monnaie nationale est good. Et puis, l'on monte entrer dans l'équipe magasin, dans l'équipe côté dans le pays, on affiche en dollars. Est-ce que les gens ne sont pas d'accord avec la constitution? Si ils ne sont pas d'accord, eh bien, encourager pour amender. Mais tant que c'est ça que là, il faut le respecter. L'autre constat nous fait, par exemple, l'on monte à fort pays en dollars américains, ils pratiquent tolvli. Alors que si BRH a un taux de référence de 64 gouttes, ou qu'à mettre le 64,01, 64,2, mon pack à 65 pour tout monter, il faut commencer par virgule là pour le monter. C'est comme ça qu'on fait ça. Mais ici, il y a une pratique. Moun tout monte 65, puis 66, 70, et puis la fort peu. Donc, moun non seulement n'a illégalité, c'est comme si on est qui volait, et puis c'est où la fait courir. C'est ça qui vient en commerçant ou là, je dis. Parce que y a dit, ah, comme la va monte 67, la monte 70, la vie en bral du, la vie en bral X, y bral Z. Et bien la vie en bral du, si moun n'a pas à manger. Ou ap mette l'on condition pour mettre bal à nos hôtels, ou pas à manger. Ou pas à manger tout non. Ministre commerce et industrie Pierre-Marie Duméni qui t'a participé dans le lancement colloque ça salégé force alcon cap porter coller à travail l'état dans lutte pour protéger droit consommateur. Ministre Duméni annoncé un ensemble travail parmi yo formation un groupe expert sous contrôle qualité pour avancer avec lutte consommateur. Actuellement au moment où je prends la parole, une vingtaine d'inspecteurs fraîchement recrutés est en train d'être formés en technique de contrôle de qualité dans les locaux même du ministère. Pour une meilleure efficacité, il nous faut la participation de toutes et de tous en vue de créer une véritable synergie dans les efforts et dans les actions à entreprendre pour mieux adresser la problématique de la qualité des biens et services et vérifier que les conditions de fabrication, de distribution et de stockage répondent en tout temps aux normes nationales et internationales. Il est indispensable d'organiser des activités qui doivent permettre d'inciter des réflexions et les échanges entre les différents acteurs du système sur la nécessité d'initier de nouvelles actions en vue de garantir la qualité des produits destinés à la consommation. Nous devons impérativement augmenter la sensibilisation auprès des consommateurs et des producteurs qui sont les éléments indispensables au changement tant espéré. Je profite pour féliciter toutes les entreprises de production qui ont déjà adopté un système de management de qualité dans une logique de protection des consommateurs et de l'environnement. D'après responsable solidarité active avec les consommateurs, colloque ça vient après un ensemble constat sur mauvaise qualité de service et produits citoyens après ses voix. C'est demain 15 mars là, colloque ça a privé dans bout de lit. Côté responsable, yo entend produire un document comme résultat des bails. Merci Isaïe et Moïse. Voilà, les amis téléspectateurs, nous prenons une pause dans le journal. Là, pas déplacé, nous tournons dans un petit moment. Dans l'actualité sportive, la football sélection jeune a bien pour participer dans plusieurs rendez-vous sur le plan international dans le jour qui vient là. C'est Carlo Maslin, secrétaire général de la Fédération haïtienne football là, qui fait annonce là. Et puis à l'étranger, Ligue des champions, Barcelone, c'est la dernière équipe qui est qualifiée pour quart de finale compétition. Tirage au sort fait demain en Suisse. Nous invitons à suivre. Après Real Madrid, Manchester City, Liverpool, AS Rome, Football Club Séville, Juventus Turin, Bayern Munich à Barcelone complétaient le tableau quart de finale. Là. Tirage au sort demain vendredi à 6h du matin. Pour finir, 8e de finale retour Ligue Europa, c'est pour jeudi
à midi, Lokomotiv Moscou Atlético Madrid, à 2h, Atlético Bilbao Olympique Marseille, Dynamo Kiev Lazio, Victoria Pilsen Sporting Portugal, Zenit Saint-Pétersbourg, RB Leipzig. Et puis à 4h, Arsenal Milan AC, Lyon CSKA à Moscou, Salzbourg, Borussia Dortmund. Président République la Jovenel Moïse recevoir hier mercredi à dans Palais National, secrétaire général adjoint en opération maintien en paix Jean-Pierre Lacroix. Dossier choléra à prédéfinition et statut menu juste dans mi-temps discussion yo, selon ministre Affaires étrangères à Kiltla Antonio Rodrigue. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine remet 900 chèques 20000 gouttes par marchand victime du phénomène marché en fait avec marché d'Ipor. Chef gouvernement annoncé création fonds garanti qui permettre marchand de prêter l'argent à taux très bas qui permettre reprendre activité commerciale. À l'étranger, suite à l'annonce Premier ministre britannique Theresa May pour mettre dehors 23 diplomates russes sur le territoire, la Russie a annoncé bon côté pas, il va mettre dehors plusieurs diplomates britanniques sur le territoire partout. Et bien voilà, c'est la journal la bout pour jeudi. Merci pour fidélité et attention. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.